Bonjour. Est-ce qu'au Congo, il y a des vrais opposants ou des faux opposants au Congo-Brazzaville? La vérité doit être dite. Nous avons affaire à des faux opposants. Les faux jumeaux de l'opposition, tous travaillent pour 8% Sassou 666. La fausse opposition ne fait pas un travail équitable pour la nation. La fausse opposition travaille pour leur propre ventre. Car cette opposition ne sont point venues au Congo-Brazzaville pour s'occuper du peuple. Cette fausse opposition ont travaillé hier. Toujours les mêmes. Mounari a travaillé avec Pascal Lissouba, le tueur des tueurs du peuple Congo. Mounari, double façade, est une dame au service de 8%. Et ça, le peuple congolais doit le savoir. Bernard Colella, est-ce que Parfait Colella est là pour la nation? Non, il est là pour son ventre. Est-ce que Claudine Mounari, elle est là pour le peuple congolais ou elle est là pour son ventre? Pour son ventre. Est-ce que Mathias Nzon est là pour le peuple congolais? Non, pour son ventre. Est-ce que Clément Mirassa est là pour le peuple ou pour son ventre? Pour son ventre. Car depuis, toujours dans l'opposition. Incroyable, mais vrai. La majorité, ce sont des gaullistes. La majorité sont au service des services secrets français. Ils travaillent pour des renseignements français. La majorité sont des francs-maçons et francs-maçons. Mais ils se sont fait baptiser dans la cathédrale parce que 8% est le nouveau pape du Congo. Ils se sont fait baptiser dans le musée de Debraza, de merde. Où ce que 8% a mis tous les ossements de Debraza et le reste de sa famille de merde. Mais qu'ils ne sont que une loge, la grande loge de la franc-maçonnerie. La vérité doit être dite. Peuple congolais, arrêtez d'avoir confiance à ces enfoirés de merde. Ces enfoirés de merde sont des tueurs. Ces enfoirés de merde s'en foutent du peuple Congo. Pour eux, il faut exterminer le peuple Congo. Il faut les faire souffrir au maximum. La vérité doit être dite. Cette fausse opposition a toujours travaillé pour 8%. Parce que 32 ans de pouvoir, ou 33 ans de pouvoir, que la pute de merde de 8%, le PD des PD, et le sex boys qui aime sortir avec toutes les femmes de ses ministres et de ses députés véreux et de la fausse opposition, ainsi que des femmes des autres qu'il a tuées. 8% est un sex boys. Il adore toucher toutes les femmes, même les filles des gens, même des filles qui devront être ses filles. Mais il couche avec. 8% a fait du Congo une république bananière, une république de la merde. Le message doit être dit. 8%.
il extermine tant des peuples au Congo. À cause des jeux dont les mauvais ont fait voir, soi-disant des opposants, mais qui ne sont pas des opposants, mais des gens du ventre. Tous ceux qui sont tombés au Congo, est-ce que cette fausse opposition a-t-il des remords? Elles s'en foutent. Est-ce que cette fausse opposition pleure tous ceux qui ont perdu des gens au Congo? Eux tous, ils s'en foutent. Pour eux, c'est bien que 8% massacre. Pour eux, c'est bien que la population au Congo, elle baisse. Ils privent le peuple de l'eau potable. Ils privent le peuple de l'électricité. Ils privent cette jeunesse congolaise de l'éducation nationale. Et ils privent ces peuples de vivre dans leur propre maison. Parce que tous ceux qu'ils ont trouvés jeunes dans les maisons, aux poules, ils les ont zigouillés. 8%, le bâtard, demande à Pasteur Toumi et au Sidoulou de sortir et tout ce qu'ils montent à Brazza. Mais car il y a le plan de la destruction de Pasteur Toumi et de tous les cellules. Oui, 8% se croit le plus grand malin, mais alerte générale, je le dis bien, le Pasteur Toumi devrait faire très attention à celui qu'il connaît et celui qu'il croit faire une paix. Mais quelle paix? Dans tout ce que 8% a toujours fait, il y a toujours signification de paix. Mais est-ce qu'il y a une paix réelle? Est-ce que 8% connaît la paix qu'il dit? Quand vous entendez la paix chez 8%, qui veut dire une paix à mi-temps, mais la guerre. La guerre de tuer les populations. Parce que 8% s'attaque sur ceux qui n'ont pas d'armes. Vous croyez que si le peuple avait les armes que 8% a, vous croyez que 8% allait zigouer le peuple, mais le peuple allait en terminer avec 8% de merde. L'enfoiré de merde. Le bien-aimé de la France-Afrique de merde. Le bien-aimé de l'Élysée. Le bien-aimé de Yves Le Drian de merde. L'enfoiré de merde. Le PD Yves Le Drian de merde. Et si Yves Le Drian, tu n'es pas d'accord, viens me voir, moi, le petit. Enfoiré de merde, Yves Le Drian. Ministre d'Europe, des Affaires étrangères, mensonge grandiose. Ministre des valises de la France-Afrique de merde. Le plan de tuer le Pasteur Toumi et les cellules et tout le clan des ninjas s'appelle Opération Mouébara. Opération Mouébara du Pôle. Oui! 8% qui n'est qu'une pédale, qui n'est qu'un PD des PD. Car pour 8%, il croit qu'il peut baisser les pantalons et les shorts de tous les hommes du Congo. 8% croit qu'il peut faire ses bêtises avec tous les hommes du Congo. Mais il ne peut pas. L'enfoiré de merde, 8%. Le pétrole du Congo, il fait savoir c'est à lui. La forêt du Congo, il fait savoir c'est à lui. Toute la terre du Congo, il fait savoir que c'est à lui. Il le fait savoir à qui? Aux occidentaux de merde. Les enfoirés de merde.
Est-ce qu'en France, c'est un pays de droits de l'homme, non? Un pays de dictature, un pays qui extermine immensément le peuple africain. Faut-il continuer à avoir confiance à ceux qui exterminent le peuple Congo? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever et il faut se défendre. Mais c'est la solution énorme à faire. Est-ce que on peut négocier avec un tueur des tueurs? Est-ce que on peut s'asseoir avec un tueur des tueurs? Je dis non. Donc nous avons affaire à des faux opposants. Les faux opposants au Congo. Les faux jumeaux de l'opposition, tous travaillent pour 8% Sassou 666. Ici, sur la place de Paris, il y a aussi des faux opposants, soi-disant des docteurs, soi-disant des professeurs, mais la plupart travaillent pour 8%. Pourquoi? La journée, vous les voyez crier. Le soir, ils sont au téléphone avec 8%. Cause bien avec lui et demande des enveloppes kaki. Oui. 8%. On voit pas mal de ces chants boy qu'il a mis sur la place de Paris pour en découdre avec les vrais résistants et les combattants. Mais nous attendons cela, le jour que ces vampires oseront toucher un combattant ou un résistant vrai, mais ça va être le feu dans toute la France. Ah oui, oui Emmanuel Macron, tu as cherché le feu, mais tu vas allumer immensément le feu. Parce que Johnny Hallyday a chanté « Allumer le feu ». Allumer le feu. Mais toi, tu as allumé. Tu es un grand pyromane, Emmanuel Macron. Parce que le peuple congolais se font zigouer. Le peuple congolais se font violenter sexuellement. Les femmes, les enfants sont enterrés vivants. On repasse les dos des hommes. On les met des plastiques, on brûle derrière leur dos. Emmanuel Macron. Qui a le même âge que 8%? Emmanuel Macron. Qui a le même âge de Paul Biya? Emmanuel Macron. Qui a le même âge de Ali Iboubou, le cafard Biafra de merde? Qui n'est pas un Gabonais? Emmanuel Macron est corrompu à cause des valises de la France-Afrique de merde. Emmanuel Macron épaule les dictateurs afin qu'ils exterminent des centaines et des milliers de vies en Afrique. Emmanuel Macron encourage le désordre catastrophique chez nous en Afrique. Continuerons-nous à jouer? Continuerons-nous à danser? Continuerons-nous à regarder les jeux de Emmanuel Macron? Non. Que Dieu nous aide. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre aide le peuple Congo de sortir du calvaire. Est-ce que ce qu'ils font actuellement au Congo, est-ce que le vrai président Philbert Yolo l'a fait? Est-ce que le vrai vieux Jacques Opango, le Kani de Kani, l'a fait? Est-ce que le vieux Jacques Opango, Kani de Kani, le vrai, a vendu ou a trahi ses membres? Mais actuellement, vous avez pas mal qui trahissent. Actuellement, vous avez pas mal qui sont à la recherche que du fric et nous ne savons pas qui est vrai ou faux. Mais pour ceux
ceux qui ont le discernement, pour ceux qui réfléchissent bien, ils savent qui sont les vrais et qui sont les faux. Voilà pourquoi les faux, la majorité, veulent que moi, le Dieu, que je revienne vers eux pour faire ce combat. Mais est-ce que moi, je peux aller avec des gens qui sont que... des gens revanchards, des gens qui travaillent pour les services de la DST pour balancer les vrais résistants afin qu'on les récupère. Non! Est-ce que si un boa attaque, est-ce qu'on donnera encore l'occasion? La personne qui s'est fait attaquer par un boa donnera encore l'occasion? Ceux qui ont mis de n'importe quoi dans la nourriture, vous avez mangé. Est-ce que vous donnerez encore l'occasion? Ceux qui ont mis des choses dans la boisson, que vous avez eu confiance, est-ce que vous ferez encore confiance? Ceux qui ont trahi le grand-père Grégoire André Massois, qui était un grand résistant, est-ce que peut faire confiance? Ceux qui ont trahi le vrai président Fulbert Hulot peuvent faire confiance? Est-ce que les Congolais aiment le Congo? C'est ce qu'il faut se poser. Est-ce que la diaspora, soi-disant opposante, aime le Congo? Est-ce qu'ils aiment le peuple Congo? Ou est-ce qu'ils sont à la recherche du même fric que 8% a volé au Congo? Point d'interrogation. Il est temps que toute l'opposition soit soudée et soit un pour en découdre avec 8%. Les petites querelles qu'il y a entre les opposants, ça doit cesser. Il faut se mettre ensemble tous et écraser 8% de merde. Le message doit être clair. Est-ce que nous pouvons faire confiance au nouveau président de la France en marche, mais qui n'est que la France en marche de la destruction de l'Afrique? La France en marche avec les dictateurs africains en marche. Oui. Voilà ce que le Thier avait envie de dire. Donc l'opposition, la fausse opposition au Congo là, les faux jumeaux de l'opposition. Tous travaillent pour 8% Sassou 666. Mais il faut vérifier parmi eux. Est-ce que il n'y a pas de francs-maçons ou des francs-maçons-soleries à l'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas des Illuminati à l'intérieur? Est-ce que il n'y a pas des gens qui travaillent pour les services français à l'intérieur? Point d'interrogation. Il faut se poser mille questions. Dans ces faux opposants, il y a beaucoup qui sont des francs-maçons ou des francs-maçons, ainsi qu'ils sont baptisés francs-maçons-sorcellerie et francs-maçons-sorcellerie. Et qui se sont baptisés aussi Illuminati, mais qui n'est que le degré au top de la franc-maçonnerie. Car tous sont au service du démon Lucifer, Satan, Lucifer. Faut-il avoir peur de ces Dracula, de ces vampires? Je dis non. Que Dieu nous donne la force et nous bénisse et nous font sortir du gouffre au Congo-Brazzaville. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc, parfait Kolela, Claudine Mounari, Mathias Sanzon, Clément Mirassa, les faux jumeaux de l'opposition, tous travaillent pour 8% Sassou 666. Le message est clair. Donc, vous étiez en direct avec le Thier africain, Georges Passy, qui dira toujours la vérité, le vrai résistant des résistants. À bon entendeur, salut.